bien-aimé, tu vas dire cette prière avec moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, j'ai eu tort de me comparer à mes semblables. J'ai eu tort de me comparer aux autres. Je reconnais que je n'ai pas été sage. Ainsi la colère est entrée en moi. Ta parole déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10 au verset 12: car nous n'osons pas nous égaler à nous. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelqu'un qui se réclame et qui se recommande par eux-mêmes. Mais en se mesurant à eux-mêmes, par eux-mêmes, et en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, ils se montrent sans intelligence. Seigneur, je reconnais que je l'ai fait. Très souvent, j'ai pensé que j'étais mieux habillé que les autres. Très souvent, j'ai pensé que ma situation sociale était meilleure que les autres. Même dans l'église, j'ai mon choix parmi les serviteurs de Dieu. Seigneur, je reconnais que je me suis laissé prendre dans ce piège de Satan. J'ai convoité les biens de mes frères et de mes sœurs. J'ai même dit à l'Éternel qui ne pensait pas à moi. Quand je regarde le voisin qui ne le connaît pas, qui est païen, et qui a toutes ses bénédictions, et que moi qui prie jour et nuit, je ne vois rien dans ma vie, je me suis irrité contre l'Éternel. J'ai pensé que lorsque je viendrai à la sainte doctrine, le même mois et la même minute, j'allais avoir de grosses bénédictions. Et matériellement, j'allais être béni. J'ai pensé que j'allais transporter des valises d'argent. Parce que je me comparais à la chair. Je pensais que la bénédiction, c'est de l'argent. Oubliant que Jésus m'avait dit: tu ne peux pas suivre deux maîtres. Tu ne peux pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas suivre le Dieu vivant. Et tu ne peux pas marcher avec maman. Le démon qui gère l'argent et la pauvreté. Seigneur Jésus, même dans ma maison, même dans mon quartier, même dans cette assemblée, partout où je passe, j'ai toujours considéré celui qui a plus d'argent, matériellement béni, que celui qui est un simple chrétien qui n'a rien. Seigneur, c'est moi qui ai fait ça. J'en ai honte aujourd'hui. Car j'ai été pris par le démon de la comparaison. Oh, tu m'as dit dans ta parole, dans Galates 2 à partir du verset 20, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, et si je vis encore dans la chair, si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans la chair. Je veux vivre en esprit et en vérité avec Jésus-Christ. Car celui qui marche selon la chair est déjà mort. Car la chair est inimitié à l'esprit. Et je refuse de continuer de marcher dans la chair. Ma place n'est pas dans la chair. Ta dorée n'est pas dans la chair. Car le livre de Romains 8 au verset 5 déclare ceci: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. Dans
Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. 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 Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'il ne soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Dans Romains 8 au verset 14, il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Seigneur, je comprends la réalité de la chair et de l'esprit. Satan est allé installer tout son système et sa stratégie dans la chair. En tant que je suis dans l'esprit, je règne dans les lieux célestes, auprès de Jésus-Christ, là où il ne peut pas m'atteindre. Je n'avais pas compris cela. C'est pourquoi, Père, regarde en moi, dans tous les actes de ma vie, si j'ai utilisé par l'excitation du diable, l'esprit démoniaque de l'insécurité, l'esprit démoniaque de l'infériorité, l'esprit démoniaque de la comparaison à la chair, pensant régler mon problème de sécurité, pensant combler mon problème de supériorité, et descendant dans la chair, je courais à la mort. Je courais à la mort. Fais-moi sortir de la chair. Fais-moi sortir de ma chair. Toute pensée qui me ramène à la chair. Toute pensée de l'esprit d'insécurité. De l'esprit d'infériorité. De l'esprit démoniaque de comparaison. Qui me pousse à me comparer à mes frères et sœurs dans l'église. Qui me pousse à murmurer dans l'église. Parce que je croyais que j'étais en insécurité. Or, il n'en était rien. Seigneur, je me repens. Et je te demande pardon. À cause de cet esprit d'insécurité. Je croyais que les musulmans étaient bénis que moi. Je croyais que les païens qui ne te connaissaient pas étaient bénis que moi. Or, j'étais en train de marcher dans la chair. Je courais à ma perte. Merci de m'avoir éclairé aujourd'hui. C'est pourquoi je commande au nom de Jésus-Christ. Fais-moi dans la sécurité. Je viens de voir tes ruses. Tu as travaillé.
ma famille, tu as travaillé dans ma vie, tu as travaillé dans mes activités, tu as travaillé dans mon église. Tu voulais m'opposer à la parole de Dieu. Satan l'Éternel t'a vu. Satan l'Éternel t'a vu. Ton projet ne peut plus réussir. Moi, je ne fais pas partie de tes victimes. Tu vas apprendre à me respecter. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Tu vas lâcher prise maintenant. Tu vas sortir de ma vie. Satan, que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Tu as été méchant. Tu m'as piégé. Comme tu as piégé Ève. Avec insécurité, tu m'as piégé, comme tu as piégé Ève, avec le sentiment d'infériorité, tu m'as piégé, comme tu as piégé Ève, avec le sentiment de comparaison, dans la chair, je commande par le nom de Jésus, selon qu'il est écrit dans Zacharie 3, au verset 2, l'Éternel réprime Satan. Satan, le Seigneur te réprime. Regarde bien. Lorsque le Seigneur vient et qu'il déclare une parole, il la déclare parce qu'il vit la parole et il voit en même temps son accomplissement. Je ne veux pas que tu dises les paroles parce que c'est comme une lecture ou bien une répétition. Non. Je veux que quand tu dises la parole, quand tu dises que l'Éternel te réprime, regarde la main de l'Éternel qui l'arrache à ta droite. Car l'esprit qui se tient à ta droite doit être l'esprit de Dieu. Et si Satan se tient à ta droite, comme il est écrit dans le livre de Zacharie 3, à partir du verset 2, tu as maintenant l'autorisation de l'Éternel de te défendre et de commander au nom de Jésus qu'il quitte ta droite. Car les ruses et les stratégies qu'il a entreprises depuis longtemps ne pourront plus régner sur ta vie. Satan! Je te convoque aujourd'hui devant le tribunal de l'Éternel. Satan! Satan! Je te convoque devant le tribunal de Dieu. Tu es coupable. Tu n'as pas été trouvé digne pour rester au ciel. Et lorsque tu es descendu sur terre, tu t'es proposé de me détruire. De me combattre. Aujourd'hui, je viens de voir ta ruse et je sais comment te combattre. Je sais comment te faire tomber. Il faut que j'appelle le nom de l'Éternel afin qu'il te réprime dans ma vie. Qu'il te réprime autour de moi. Qu'il te réprime dans cette assemblée. Que tu sautes avec tes stratégies. Que tu sautes avec tes pièges. Éternel, réprime-le. Réprime Satan. Réprime Satan. Éternel mon Dieu, toi qui prends soin de moi, toi qui me gardes comme la prunelle de
tes yeux. Réprime Satan dans la vie. Réprime Satan dans ma vie. Réprime-le dans mon ministère. Réprime-le dans mon ministère. Réprime-le dans cette assemblée. Réprime-le dans cette assemblée. Éternel, réprime Satan. Éternel, réprime Satan. Éternel, réprime Satan. Réprime-le. 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 Selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 4, verset 10. Rétis-toi de moi, Satan. Rétis-toi de moi, Satan. 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 À ma gauche. À ma gauche. À ma droite. À ma droite. Devant moi. Devant moi. Derrière moi. Derrière moi. Au-dessus de moi. Au-dessus de moi. Au-dessous de moi. Au-dessous de moi. Rétis-toi. Rétis-toi de moi. Rétis-toi. Rétis-toi de moi. L'Éternel te réprime. Alléluia. Bien aimé. La parole de Dieu te dit ceci. Dans le livre de Marc 11, au verset 23. Si tu déclares et tu commandes à cette montagne, ôte-toi de là et va te mettre au milieu de la mer. Et si tu ne doutes point en toi-même, tu feras s'accomplir sous tes yeux ce que ta bouche vient de dire. Tu n'as pas compris. Ceux qui ont dit Amen, c'est ceux qui ont saisi la parole. Ceux qui ont dit Amen, c'est ceux qui vont faire usage de cette autorité. Alléluia. Tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole. Si je commande à cette montagne, je commande à cette montagne. Ôte-toi de là. Et va te mettre dans la mer. Et si je ne doute point en moi-même, ce que j'ai dit, je le ferai s'accomplir.
Je crois maintenant que toute parole qui sort de ma bouche provoque un déménagement, une puissance de destruction contre le monde des ténèbres, contre le monde de Lucifer, contre le monde de Satan. C'est pourquoi je déclare maintenant, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu es tombé, Satan. 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 Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Dans le livre de Romains 16, verset 20. Dans Romains 16, verset 20. Seigneur. Seigneur. Éclaire Satan sous mes pieds. Éclaire Satan sous mes pieds. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éclaire Satan sous mes pieds. Éclaire Satan sous mes pieds. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le pas que je lève. Le pas que je lève. C'est pour l'écraser. C'est pour l'écraser. Le deuxième pas. Le deuxième pas. C'est pour l'écraser. C'est pour l'écraser. Quand je parle les pieds. Quand je parle les pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Éternel. Comment écraser Satan. Je les écrase. Je les écrase. Je les écrase. Écrase les démons. Je les écrase. Les démons d'insécurité. Je les écrase. Écrase les démons. Je les écrase. Les démons d'infériorité. Je les écrase. Tout genre de rébellion. Tout genre de rébellion. Quand je parle à main. Quand
cette balle à mer. Le feu. Bien-aimé, il y en a qui sont venus à la prière, il y en a qui sont venus pour veiller. Les déclarations que tu ne dis pas, dans le règne spirituel, il n'y a pas cadeau. Gloire à Jésus. Dans le spirituel, il n'y a pas cadeau. Quand le sorcier t'attaque, que Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir comment ils font. Ta manière de prier va changer. Et il pleure. Pourquoi il va ici? Il se jette, il roule. Quand il n'y a pas de vie de prière chez toi, il apparaît dans ta cour. Il prend ses fesses nues. Il frotte sur toute ta terrasse, sur tes murs, sur tes portes. Il maudit. Il rentre dans ta maison. Quand il n'y a pas de prière, il prend tes choses qui sont les meilleures. Il maudit. Il sort, il s'en va. Rien ne réussit chez toi. Tu as l'occasion de les traiter depuis les chefs. On dit pas les mains. Comme je parle, tu fais choco et Satan. Fais comme chacun. Ok. Comme chacun doit tirer une expérience pour dire, hé, hey, quand tu arrives et qu'ils sont en train d'attaquer les œuvres des ténèbres là, si tu n'as pas envie de prier, fais-toi taire. Mais si tu veux participer, participe de toutes tes forces. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas récolter conséquences dedans. Toi-même, regarde. Quand vous étiez plus jeune, quand vous faites vos palabres d'enfant, les peureux qui sont au milieu, qui ne font pas vraiment le palabre, à la fin, c'est pas eux, on frappe beaucoup. Vous qui êtes les plus courageux, quand ils te voient, ils te dépassent. Mais le peureux qui était devant, qui était avec vous, là, quand on l'a pas dit, c'est pas toi ici. Parle maintenant, tu vas voir. Parle maintenant. Faut parler ce que tu as dit là-bas, répète ici. Il dit, mais c'est moi ici dedans, C'est comme ça, toi, tu veux être. Les témoins vont te dire, tu dis, aïe, c'est pas que Jean qui a dit, on va dire, faut partir chez lui là-bas. Feu sur ton découragement. Feu sur ton manque de courage. Feu sur tes faiblesses. Comment ça? Tu viens de confesser tout de suite que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. C'est pas toi qui dis ça. Maintenant, tu rentres au combat, tu dis, ça la peut-être que, il dit, on va dire, bon, je ne suis pas dedans, mais bon, feu, quitter ici. Là, tu es quel genre de combattant? Il faut que le niveau de prière monte. Les bâches doivent fondre. Si une bâche n'a pas fondu, nous, on va faire un grand bûcher. Chacun va prendre, on va rôtir chacun comme Choukouya. Il va aller se soigner à la maison. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas faire fondre les démons. Amen. Tu vas détruire les règnes. Amen. Tu vas les anéantir. Amen. Quand on va retourner dans le combat, ça sera plus fort que ça. Amen. Est-ce que ça sera plus fort que ça? Amen. Bon, amen. Ça va le plus tard. Il faut que tu dises dans la main de courage. Gloire à Jésus. Amen. Tu dis, je suis délivré. Je suis délivré. Du pouvoir de Satan. Du pouvoir de Satan. Par le Dieu tout-puissant. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Dans Actes des Apôtres. Verset chapitre 26. Au verset 18. Au verset 18. Je suis délivré du pouvoir de Satan. 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 Je sais quoi le. Je suis délivré du pouvoir de Satan. 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 En nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit. Dans Jean 10, 10, j'oblige le voleur. J'oblige le voleur. J'oblige le voleur. À ne pas voler. À ne pas voler. À ne pas tuer. À ne pas tuer. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma région. Dans ma région. Dans ma nation. Dans ma nation. J'oblige le voleur.
isolé. Les pieds de mes enfants. Les pieds de mes enfants. Les pieds de ma famille. Les pieds de ma famille. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué. Ce que nous avons. Ce que nous avons. Je n'ai pas tué ou détruit. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne parle les mains. Je parle les mains. Je parle les mains. Je parle les mains. Je commande. Je commande. Tu ne parles pas dans ma maison. Je ne parle pas dans ma maison. Tu ne parles pas. Tu ne pas chez moi. Tu ne pas. Tu ne tireras pas. Tu ne 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 pas. Je suis
réprime. Satan, que l'éternel te 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 réprime. Au nom puissant de Jésus. C'est là qu'il est écrit. Dans Apocalypse 3. Au verset 9. Seigneur. Éloigne toute synagogue de Satan. Éloigne toute synagogue de Satan. Dans mon quartier. Dans mon quartier. Seigneur. Éloigne toute synagogue de Satan. Éloigne toute synagogue de Satan. Dans ma maison. Dans ma maison. Seigneur. Seigneur. Éloigne toute synagogue de Satan. Éloigne toute synagogue de Satan. Dans ma ville. Dans ma ville. Seigneur. Seigneur. Éloigne toute synagogue de Satan. Éloigne toute synagogue de Satan. Dans ma région. Dans ma région. Seigneur. Seigneur. Éloigne toute synagogue de Satan. Éloigne toute synagogue de Satan. Dans ma nation. Dans ma nation. Seigneur. Seigneur. Éloigne toute synagogue de Satan. Éloigne toute synagogue de Satan. À la tête de ce pays. À la tête de ce pays. Seigneur. Seigneur. Éloigne toute synagogue de Satan. Éloigne toute synagogue de Satan. Quand je prends l'épée. Quand je prends l'épée. Quand je prends le marteau. Quand je prends le marteau. J'attaque les synagogues de Satan. J'attaque les synagogues de Satan. Avec la main céleste. Avec la main céleste. Comme le mur de Jéricho. Comme le mur de Jéricho. Il a été cassé. Il a été cassé. Partout. Partout. Où il y a une synagogue. Où il y a une synagogue. De Satan. De Satan. Une confrérie. Une confrérie. De Satan. De Satan. Qui se réunit. Qui se réunit. Partout ils sont. Partout ils sont. Père. Père. Nous nous déployons. Nous nous déployons. Sur tout le pays. Sur tout le pays. Nous lèvons le marteau. Nous lèvons le marteau. Cassons ces synagogues. Tous les synagogues. Casse-les. Tous les synagogues. Tu prends les mains. Tous les synagogues. Les synagogues sont passées. Les synagogues. Qui les a saisis, qui règne dans le cœur, même moi
moi-même. Même moi-même. Si la colère du diable. Si la colère du diable. M'a infecté. M'a infecté. Et règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois. Je crois. Que si je déclare. Que si je déclare. Que si je ne doute pas. Si je ne doute pas. Ce que je déclare. Ce que je déclare. S'accomplit devant moi. S'accomplit maintenant. Colère. Colère. Qui vient du diable. Qui vient du diable. Colère. Colère. Qui vient du diable. Qui vient du diable. Partout tu es caché. Partout tu es caché. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Je retire tes épines. Je retire tes flèches. Je retire tes flèches. Je retire. 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 Je vais souffler le feu pour détruire la confrérie, pour détruire la confrérie, pour rassembler
les confréries. Nous rassez les confréries. Feu. 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 Tu m'as dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute confrérie de sorcellerie, toute confrérie de sorcellerie, tous ceux qui ont appelé mon nom, tous ceux qui ont appelé mon nom, tous ceux qui utilisent mes effets personnels, tous ceux qui utilisent mes effets personnels, ma serviette qui était perdue, ma serviette qui était perdue, mes chaussures qui étaient perdues, mes chaussures qui étaient perdues, mes habits qui étaient perdus, mes habits qui étaient perdus. Mes effets personnels qui avaient disparu. Mes effets personnels qui avaient disparu. Mes dessous qui avaient disparu. Mes dessous qui avaient disparu. Toute confrérie de sorcellerie. Toute confrérie de sorcellerie. Sur lequel. Sur lequel. Ou l'hôtel de cette confrérie. Ou l'hôtel de cette confrérie. Ils sont venus déposer. Ils sont venus déposer. Mes biens personnels. Mes biens personnels. Mes biens que je ne vois plus dans ma maison. Mes biens que je ne vois plus dans ma maison. Ma photo qui a disparu. Ma photo qui a disparu. Mes cheveux qui ont disparu. Mes cheveux qui ont disparu. Mes ongles que j'avais coupé. Mes ongles que j'avais coupé. Qu'ils soient reprendre. Qu'ils soient reprendre. Oh Dieu. Oh Dieu. La pluie des mains de feu. La pluie des mains de feu. Oh Dieu. Oh Dieu. La pluie des mains des éclairs. La pluie des mains des éclairs. Oh Dieu. Oh Dieu. La pluie des mains de puissance. La pluie des mains de puissance. Comme je ne doute point. Comme je ne doute point. Lorsque je vais envoyer le feu, partout ils sont cachés, partout ils sont cachés, partout ils sont en confrérie, partout ils sont en confrérie, partout ils sont installés, partout ils sont installés, partout ils sont en hôtel, partout ils sont en hôtel, partout ils sont les idoles, partout ils sont les idoles, partout ils sont les maisons de fétiches, partout ils sont les maisons de fétiches, partout ils sont les canaries de viande, partout ils sont les canaries de viande, les canaries de sang humain, les canaries de sang humain, partout ils se réunissent, partout ils se réunissent. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. J'en vois ton Dieu. J'en vois ton Dieu. Feu. 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 Selon qu'il est écrit dans Marc 4 au verset 39, je réprimande tous les vents, toutes les tempêtes de l'ennemi. Envoyez contre ma vie. Je parle au soleil. Je parle au soleil. Je parle à la lune. Je parle à la lune. Je commande au vent. Je commande au vent. Je commande à l'aurore. Je commande à l'aurore. Je commande au matin. Je commande au matin. Toute programmation contre moi. Toute programmation contre moi. Contre ma lignée familiale. Contre ma lignée familiale. Contre mes fils. Contre mes fils. Contre mes filles. Contre mes filles. Contre mes enfants. Contre mes enfants. Contre ma famille. Contre ma famille. Toute tempête. Toute tempête. Déclenchée. Déclenchée. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Pour attaquer ma vie. Pour attaquer ma vie. Pour attaquer mes
finances, pour attaquer les finances, pour attaquer mon élévation, pour attaquer mon élévation, mon épanouissement. Oh Dieu, de la même autorité, que tu m'as investi, rempli de feu, j'envoie contre cette tempête, le feu de vos rangs, je détruis cette tempête, je détruis cette tempête, je la retourne, contre les démons, contre les sorciers, Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ.